Bonjour à tous et bienvenue sur CBMAT. Dans cette vidéo, nous allons aborder l'exercice 1 du bac ES Bontichéry 2017. L'exercice ayant pour thème les fonctions dérivées. Voici l'énoncé. Cet exercice est un QCM questionnaire à choix multiples. Pour chacune des questions posées, une seule des trois réponses est exacte. Recopiez le numéro de la question et la réponse exacte. Aucune justification n'est demandée. Une réponse exacte rapporte un point. Une réponse fausse ou l'absence de réponse ne rapporte ni enlève de points. Une réponse multiple ne rapporte aucun point. Soit f une fonction définie et dérivable sur l'intervalle 0,10. Dans la courbe représentative, CF est donnée ci-dessous dans un repère d'origine O. On rappelle que F' désigne la fonction dérivée de la fonction F. Première question, le nombre de solutions sur l'intervalle 0, 10 de l'équation F' de x est égal à 0 est égal à 1, 2 ou 3. Question 2, le nombre réel F' de 7 est, réponse A, nul, réponse B, strictement positif, réponse C, strictement négatif. Question numéro 3. La fonction f' est croissante sur 0,10, croissante sur 4,7, décroissante sur 4,7. Question 4. On admet que pour tout x de l'intervalle 0,10, on a f' de x est égal à ln de x moins x sur 2 plus 1. La courbe CF admet sur cet intervalle un point d'inflexion d'abscisse 2,1. Réponse A. Réponse B. D'abscisse 0,9, réponse C, d'abscisse 2. Vous pouvez mettre en pause la vidéo pour résoudre le problème. Alors ici, f' de x est égal à 0 équivaut à ce qu'il y ait une tangente horizontale sur la courbe CF. Alors, quand est-ce que donc la fonction change ici de variation? Donc ici, ça va être le cas sur ce point-là, ici. Ça va être le cas ici. Donc la courbe CF admet deux tangentes horizontales. Ainsi, le nombre de solutions sur l'intervalle 0,10 de l'équation f' de x égale à 0 est 2. Donc, réponse B. Alors, le nombre f' de 7 est... Alors ici, on regarde 7. On regarde la tangente. Donc la tangente au point d'abscisse 7 ACF. La tangente, elle va être comme ça. Donc la tangente, ici, ACF, aura pour pente négatif. Donc ça veut dire que f' de 7 va être strictement négatif. Donc la bonne réponse ici, réponse C. Alors ici, on nous propose donc f', la fonction f' est croissante, croissante sur 0,10, croissante sur 4,7, décroissante sur 4,7. Alors, elle ne peut pas être croissante sur 0,10 parce que ici, nous avons f' 0, donc f' de x est égal à 0, et ici, f' de x égale à 0. Or, la fonction dérivée est continue, donc ça veut dire que ici, on va voir quelque chose de croissant et ensuite décroissant. Donc ici, la fonction f' ne peut pas être croissante sur 0,10. Alors, sur l'intervalle 4, 7. Alors, la pente de la tangente en abscisse x égale à 4, ACF, elle est positive. Et ici, la pente de tangente, elle va être négative. Donc ici, on a f', donc on a f' de 4 positif, f' de 7 négatif. Donc, la fonction f' va être décroissante sur 4,7. Donc, la réponse, c'est la réponse C. Alors, question 4, on nous pose f' x est égal à ln de x moins x sur 2 plus 1, et on veut savoir quand est-ce que CF admet un point d'inflexion, sachant qu'un point d'inflexion, c'est quand f seconde de x est égal à 0. Ou encore, f', donc la dérivée de f' de x est égal à 0. Donc on a f'.
f' de x c'est égal à ln de x moins x sur 2 plus 1. Ben, on peut avoir maintenant f seconde de x, c'est-à-dire la dérivée de la fonction dérivée. La dérivée, donc ça va être cette dérivée-là. Donc la dérivée de ln, ça va être 1 sur x. X sur 2, ben, x sur 2, il faut noter que x sur 2, c'est 1 demi fois x. Dérivée de x, 1, donc il ne reste plus que 1 demi. Donc moins 1 demi, dérivée de 1, 0, plus 0. Donc 1 sur x, moins 1 demi. Donc maintenant, à résoudre l'équation 1 sur x, moins 1 demi, égale à 0. Moins encore, 1 sur x est égal à 1 demi. Donc x égale à 2. Donc la réponse correcte est la réponse C. Bien, la vidéo est maintenant terminée. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Et si vous voulez être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CBMath. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.